Monte Gada, selon agent exécutif intérimaire en sapit là, Harry Bruno, deux bandits notoires, TJF à T-Wender, ainsi connu dans la nuit samedi 5 d'août là, et Raché, bras, un soldat dominicain à coûte manchette pour capable partir avec Zam Service Li, un fusil calibre 12 pour accomplir Zakio, bandit qui soutient en sapit, ils ont utilisé une femme comme appât pour distraire soldat qui pas de temps pour être capable de tomber dans piège et puis venir victime de nèg sa yo. Selon agent intérimaire qui dit li a cherché deux criminels sa yo. Deux criminels sont déjà qu'on est prison pour à cause qu'on volait à Femoun dans la commune en sapitre. Nous prêt permettre tout côté intervention magistrat ami interne auditeur pour capable de gagner plus de détails sur ce qui passé à la frontière en sapitre. Non, parce que pas gagne les mondes qui vont traverser à l'épidénales, surtout mon asapitre à l'épidénales, et quand Dominique est toujours entré à sapitre. Oui. Donc monsieur fait combinaison avec Fian, elle va aller avec Gadla pendant Gadla perdu, exactement pendant la perdu dans sa abdio, et puis il n'est passé par derrière, il vient de Gadla un coup de manchette, et puis il prend un fusil 12, dans même il courir, il rentre sur Haïti. Mais d'après toute information que nous avons arrivé, Irène, il semblait avec deux nègres, une relève Tiwende, l'autre la relève Jeff. C'était des nègres qui ont des problèmes sous frontière. C'était des nègres qui ont des problèmes sous frontière. Il est vrai qu'il n'enquête pas non ça. Bon, et nous avons retourné avec un magistrat qui a plus de détails sur ce qui passait dans un sapit là. C'est vrai qu'enquête pas non ça, monde qui informe non, qui sous frontière là, qui fait une part de ça, et colonel dominicain, le qui reste des colonels de Hidalgo, femme qu'on est tous, c'est des mêmes mondes ça, qui fait ça. Vous, il faut tout bon, on fait tout le bagaille parce que vous avez des gens qui ont informaté par eux tout. Et non, ça peut être bon. On est des gens qui ont fait pays, qui ont service intelligence. Donc nous-mêmes, tout, moi-même, j'étais que maestra, voici qu'il dit, monsieur, je connais, qui m'a demandé, il m'a informé, et puis il dit, exactement, maestra, mais comment, mais qui j'ai des gens qui commettent. Non, bon, pour me parler de Tiwende, ensemble avec Jeff, c'est des gens qui étaient prison. Et il est quitté la prison pour malversation, vol, azam et mes amis Jean Libal Chao, que négo t'es fait. Il est allé dans la prison, on s'appelle déjà au Jacques Mel, après nombre de mois de prison vous fait, et puis négo les libéré. Bon, je me rappelle moi-même, tu parlais ensemble avec le départemental, là, les autres qui ont été négés avec le commissaire gouvernement, pour me dire que les autres qui sont faciles, les autres qui ont des problèmes dans la communauté, qui toujours a fait des ordres. Voilà, c'était intervention magistrat Harry Bruno, qui c'est agent intérimaire commune en sapitre. C'est ça qui gagne en termes d'information sous incident ça qui arrivait avec deux présumés bandits qui prennent un zam qui attaquent un soldat dominicain et puis qui prend un zam qui allait ensemble avec lui. Nous après aller maintenant avec Lionel Lazare, le temps pour nous capable retourner dans la rue en Danio. Policier 18e province dit deux escadres tombés à Babal journée samedi à la zone Savane Pissache. Policier ça prend balle dans coup dans cas d'affrontement. Il était éclaté depuis quelques jours entre force l'audio avec un bandit qui veut prendre contrôle zone là. Policier ça papa travaille dans le commissariat, mais c'est un policier zone là qui a le poté renfort par le commissariat, même Jacques et à tout l'autre agent qui habitait Kafoufé. C'est le coordonnateur Sénapora Lionel Lazare qui croit Jacques ça doit révolter autorité sur sa cap passé dans la zone là. N'a pas coûté Lionel Lazare. On connaît que gagné policier Eddy Doriska, 18e promotion, agent 4, qui perdit la ville samedi 5 août 2023 dans la zone de Kafoufeï. Pas oublier que ça a gagné quelques mois et presque années même.